Il s'agit donc du numéro 3, présenté par le Gaël Allen. On y va, Allen, donc c'est le nouveau Great Pretender pour cette publicité le 14 mars 2016. Et nouvelle recrue, ce n'est d'autre qu'ici que les plus les mieux nés du catalogue, puisque c'est la demi-sœur de Concerto d'Allen. On va pouvoir marcher si tu veux, on la posera après. Concerto d'Allen, gagnante de 6 courses, dont le prix Roger Saint à Anguin, la grande souche vagne, celle de Mikador, d'Espoir d'Allen d'une époque, imposant double vainqueur. De l'Anjou Large Challenge, Galapagos et tant d'autres. Il n'y a pas assez de place dans le dans la page de catalogue pour mettre tous les grands vainqueurs ici de cette souche même proche. On va prendre la demi-sœur de Concerto d'Allen ici sur le ring numéro 1. Sur le ring numéro 2, les mâles enchaînent bien. Donc la circulation se fait bien dans les écuries. Goto des Plachis, présenté par Philippe Chatelu. On va retrouver Philippe Chatelu qui nous a déjà présenté un lot tout à l'heure. Ici, c'est un nid d'or. Alors, un nid d'or fabriqué conçu dans l'ouest, alors que le cheval fait désormais la monte dans le centre, dans notre région ici. La mère est par Alberto Giacometti, fils de nid d'or, donc un étalon tout à fait remarquable, et qui produit tout à fait dans ce type. Hein, des chevaux sont pas très grands, peut-être pas très précoces, mais très épais, très bien équilibré et surtout des chevaux de grande qualité qui durent. Les Lindors avec une mère par Alberto Giacometti, c'est la famille de Rigoureux. Lauréat de 32 courses Rigoureux chez Guillaume Macaire et notamment deuxième du grand steeplechase de Paris. Voici donc pour le numéro 28 qui se présente ici au trot sur le ring numéro 2, le ring Galois-Allier. Voilà, trotter. Une autre fois ou...